coucou. Alors, nouvelle vidéo, un petit peu à l'ancienne, comme vous aimez. Sur Insta, vous avez été nombreux à mettre des vidéos ménage, organisation ou des journées où je vous emmène un petit peu plus avec moi. Donc, c'est parti. Je vais vous filmer ma journée. J'ai un énorme ménage à faire dans la maison. En fait, tout le week-end, on n'a pas arrêté d'aller venir. On passait en coup de vent dans la maison, du coup on se dépêchait, on se changeait, on repartait, on prenait une douche, on retournait. Enfin bref, ma maison est dans un état catastrophique, on avait le temps de rien ranger, on grignotait trois trucs, on repartait, enfin bref, un week-end dans le feu. Du coup là ma maison, c'est Beyrouth. Donc il faut que j'essaye de me dépêcher d'avancer un max ce matin pour faire au moins en bas. J'aimerais aussi faire la salle de bain du haut, mais je crois que là c'est un peu prétentieux, j'y arriverai jamais aujourd'hui. Demain je devrais avoir un petit peu de temps, j'essaierai de me le caler demain. J'ai aussi tout à l'heure mon rendez-vous pour les ongles à 14h à Vannes, donc à une petite demi-heure de chez moi. Et là je reviens du point relais, j'avais un colis Vinted à récupérer. Vinted c'est dernièrement, mais j'étais hyper déçue. Je me suis fait escroquer, on m'a pas vendu la marque qui était dans l'annonce. Enfin, j'ai eu plein de bins. Des vêtements tachés, des vêtements pas dans l'état, dans le très bon état, comme c'était vendu dans l'annonce. J'en étais arrivée à un point de me dire, je vais plus commander. Bon, et puis finalement, pour Issa, j'ai recommandé. Finalement, pour Issa, pour cet été, j'avais envie de petites salopettes. J'ai refait confiance, j'ai recommandé. On ouvre ensemble, on va voir ce que ça donne. Puis là, maintenant, sur Vinted, c'est trop pénible. En fait, c'est trop facile, je trouve, pour les vendeuses. Parce que si l'article vous demandait à être remboursé, il faut absolument le renvoyer. Sauf que souvent, ce que j'achète, c'est vraiment des tout petits prix. Donc, une fois que tu déduis les frais d'envoi qui sont du coup à ma charge, bon, allez, pour gagner 1 ou 2 euros, c'est pas la peine, je laisse tomber. Mais du coup, je trouve ça vraiment hyper malhonnête. Alors là, c'est un petit short H&M. Et je me souviens, celui-ci, je l'avais pour Soujaï. J'avais exactement le même. Alors là, tout ce que j'ai acheté, c'est censé être en très bon état, voire... ou alors c'était neuf sans étiquette. Ça aussi, un petit short. Je l'avais également pour Soujaï. Je regrette de rien avoir gardé parce que c'était pas prévu qu'on fasse bébé 3. Et du coup, j'avais absolument rien gardé. Et puis, à ce moment-là, on vivait en Guyane. Et du coup, on n'avait pas de place dans les valises pour ramener forcément tout le stock de vêtements que j'ai pu acheter pendant les années où on était là-bas. Trop mignon, ça. C'est H&M. Petite barboteuse jaune. Toute mignonne. Elle est un peu sur un... Bon, on est comme sur un jersey. C'est un joli coton. Une autre salopette. Là, c'est tape à l'œil. Elle est beige, elle est toute simple, elle est beige avec des fines rayures. Bon, pour les enfants, je pense que vous l'avez déjà remarqué, hein, j'aime les choses qui sont assez classiques. Oh, c'est chou ça aussi. Ça c'est quoi? Tex. Tex c'est quoi? C'est Leclerc, non? Je crois. Carrefour? Enfin, il me semble que c'est un truc de supermarché. Toute mignonne, bleu marine avec des petites encres, deux petites poches à l'arrière. C'est chou. J'ai trop hâte de le voir là-dedans. Bon alors par contre, faut pas être pressé parce que chez nous en Bretagne, il n'y a pas du tout les températures du sud de la France. Ça caille. Et la petite dernière, c'est une Oh Baby. Oh, trop mignonne aussi. Trop jolie. On est sur une couleur un peu tabac, deux petites poches à l'arrière. Et il y a des rappels de jeans. Non, là c'est cool parce que je suis vraiment contente de tout. C'était 1 ou 2 euros pièce, j'ai vraiment pas payé ça cher. Non, là je suis satisfaite. Là ça vaut le coup, là c'est des bonnes affaires. Je vais mettre tout ça à laver. Ah oui, dans ma folie de maison en état, j'ai aussi beaucoup de linge à faire. Tout est lavé, tout est séché, mais j'ai beaucoup de linge à repasser ou à ranger. Ah oui, j'allais oublier. Écoutez bien la vidéo parce qu'à un moment, je vais vous faire gagner un truc plutôt sympa. Should go, yeah, just like the wind you pull me in.
Et pour le canapé, j'utilise toujours cette petite brosse là, je la trouve hyper bien. D'ailleurs, très souvent, vous me demandez la marque de mon aspirateur, c'est le Red Road V17 que j'ai en ce moment. Il est vraiment top en aspiration, il est génial et il a un système de double rouleau. Quand on le passe, il n'y a rien qui lui résiste, tout est ramassé avec ce système-là. Il est vraiment hyper puissant, un système de filtre facile à nettoyer, avec un prix qui est quand même très abordable pour un balai aspirateur de cette qualité-là. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et pour vous remercier de toujours être là et d'être de plus en plus nombreuses sur ma chaîne, pour celles que ça intéresse, je propose de vous le faire gagner sur ma page Instagram. Bah, j'ai pas forcément avancé comme je voulais, mais c'est pas grave, il faut que je file, il faut que j'aille faire mes ongles. Et bien ça y est, mes ongles sont faits, aucune surprise. Je fais toujours la même forme, la même taille, la même couleur. Je ne change jamais, je fais toujours ça, sauf à Noël, j'avais fait un ongle paillette. C'était le truc le plus fifou que j'ai fait sur mes ongles. Là, j'ai récupéré Soujay à l'école. Issa, je viens toujours de récupérer à la crèche, je viens de l'attacher. Donc, retour à la maison. Là, on va faire goûter, devoir, douche. Ça va être la folie du soir. Donc, clairement, mon ménage n'est pas terminé. La cuisine, bon, le plus gros est fait. Donc, je pense que ça va rester comme ça. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup quand même faire la salle de bain de l'étage.
Donc ça se finira peut-être avec une vidéo ménage du soir parce que j'aimerais quand même la faire, donc même s'il est tard, ce serait cool que je la fasse après manger ou peut-être même qu'une fois que tout le monde sera couché, je serai tranquille, tout le monde sera passé à la douche et je vais faire la salle de bain. Ménage que je n'avais pas eu le temps de faire le matin, là j'ai nettoyé les toilettes à grande eau, j'utilise un balai que j'ai trouvé chez Action, je crois qu'il est chez BM aussi. Je nettoie tout, je balance de l'eau chaude et je trouve que c'est la meilleure façon pour nettoyer le sol. En plus, j'ai un sol en résine, il craint vraiment pas grand-chose. Et je remets tout en place, mon tapis, la poubelle, la petite balayette et tout est nickel. J'ai ensuite fait notre salle de bain. Tous les jours, j'essaye comme ça d'avancer petit à petit et de faire une pièce. Donc là, c'était la salle de bain de la chambre parentale en bas. Petit coup sur le lavabo. Le miroir en avait grand besoin. Je crois qu'on ne se voyait quasiment plus à travers. Donc, un petit coup partout et c'était passé. On a aussi lavé ce grand nounours que j'ai galéré. Il a fallu le sécher à la fin au sèche-cheveux. La soirée est passée à une vitesse folle. Tout le monde s'est couché et puis je me suis posée devant la télé avec mon ordi, un bon chocolat chaud. Bonne soirée à vous!